Alors, pour notre activité d'écriture, nous allons faire un petit jeu. Donc, vous prenez un bac, ok? Ça peut être aussi de l'eau. Là, j'ai mis du riz, d'accord? Ça peut être aussi avec de l'eau, ok? So you can put rice or water. And after I'm putting my little letter, je mets mes petites lettres dedans. Ok? Now, maintenant, je dois prendre, retrouver mes lettres dans le riz, ok? En essayant de l'attraper comme ça. Ok? I have to find my letter in the rice or in the water. I've got one. J'en ai une. C'est le N. Alors, le N, le N qui fait N, ok? Qui fait N comme dans... qui fait N comme dans canapé. J'entends N dans canapé, ok? Et je continue. Le A comme dans... Armoire. D'accord? So, I have to find the sound of the letter and a word in French with this letter inside. OK? Je dois retrouver un mot, le son de la lettre, quel son fait la lettre, et ensuite dire dans quel mot de la maison je l'entends. It's word from house. OK? You can do five like that, and for the more advanced, 10. OK? Vous pouvez faire 10 pour les plus avancés, 5 pour ceux qui commencent à apprendre, qui connaissent juste un petit peu les mots en français. D'accord? Allez, à votre tour!